Mardi 1er février 2022. Elle fait appel aux écolos, aux socialos, aux cocos. Arrivée la première à cette pseudo-primaire, elle prône l'union malgré leur dissension. Il lui répond donc, mêle-toi de tes oignons. Elle arrive forcément en tête, mais eux lui font la tête. Les militants n'ont ras-le-bol de cette dispersion. Chacun tire la couette dans sa propre direction. Quelle ambiance apaisée à 3 mois du scrutin. C'est Z et Macron qui se frottent les mains. Elle essaie de les convaincre. C'est le seul espoir de vaincre. Pour émettre sur la table toutes leurs propositions, pour les mettre en action, même après discussion, pourrait faire un effort, qu'elle têtue ses mentors. Mais pense-t-il pouvoir agir sur notre sort? Ils ont très peu de chance. Pouvoir est à la finance. Ah, j'oublie Mélenchon, qui bien sûr a dit non. Rien de bien étonnant, il prône l'insoumission. Yannick qui le devance, les gens préfèrent le vert. Mention assez bien moins, ça lui reste en travers. Même pas candidat Jean-Luc, que pour lui ce résultat est caduque. Une grève de la faim, tenter le tout pour le tout. Il aura essayé Pierre Laroux Turou. Il a eu sa primaire, mais ça ne résout rien. Il a tout un moulon qui refuse et reste dans leur coin. Il veut une nouvelle donne, mais tout le monde l'abandonne. Un ministre facon envoyé sur le front, une marque de couette, Castex comme édredon, plus la pagaille à gauche, il prépare son lit et sa réélection servie sur un tapis de tout Boris Descarcas. À ce, pour quand mais il repart, à ce. Attendez un petit moment, ce n'est pas fini. Si vous avez la patience, il y a une bonne nouvelle à la fin. Ah, Taubira, Taubira, tu as vraiment la foi, Taubira, Taubira. Retiens bien la leçon, laisse-les faire les cons. Ils t'ont tapé sur les doigts, aïe, 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 ça fait mal. Fille des autres couleurs, ils vont gagner les bleus. Toute cette diaspora, ça fait très bien leur jeu. Rendez-vous au mois de mai pour dresser le constat. À l'amiable, ils veulent pas, et c'est chacun pour soi. Devoir électoral accompli, on l'aura dans le baba. Tendance Benito ou McFly Carito, à tout sur la squadra, Azzurra sera championne du monde. Et quant à moi, c'est la dernière fois que je me sers de ces airs-là. Et la dernière fois que je vous envoie tout ça. Plus de 80 fois, je crois que le compte est bon ou mauvais, ça dépend aussi de votre opinion. J'espère malgré tout vous avoir amusé au moins une fois ou deux au cours de ces longs mois. Je garderai désormais ces chroniques pour moi, mais je les posterai, ce sera à vous de voir. Le lien est au-dessous à votre bon vouloir. L'essentiel est de rester, même si on ne se voit pas, les meilleurs amis du monde. Ceux qui sont encore là, je rajoute des merci pour tous les abonnés. D'un groupe comme tous les jours d'un mois de février. D'un an non bisextile, merci pour les petits pouces. Merci pour vos réponses ou pour vos commentaires. Ou pour vos non-réponses et vos non-commentaires. J'aime bien tout comme Alice les non-anniversaires. Merci pour l'amitié, même si je vous ai barbé. Pas un vous me l'a dit. Ça c'est de l'amitié. J'espère vous voir un jour prochain en os, en chair, sans vidéo, en vrai, à la fin de ces vagues et non plus sur les ondes.
Ah, au revoir, au revoir.